Good morgen, allez, Iden les Chusra, aujourd'hui les Lunchmat, David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dora, Bat Esther, Lucien, Bat Raina, et Eliaou, Vanishan, c'est que leur fois, tu l'as dit, Ben Chavalea, et Chaim Gershon, Ben Freda, Rekam, et Torcha, Cholou Israël. Si vous sautez aussi d'une prochaine étude de Mishnah, compliquée de la 5e unité éternelle, nous étions à Serrané, Darim Perigvav, Mishnah, Dalet, Dag Dagim, She'enito Em, Asur, Bahen, Ben Gdolim, Ben Ktanim, Ben Melochim, Ben Tefein, Ben Chaim, Ben Mevushalim, Umotar, Betarit, Turufa, ou Batsir. Anoder minatzachana. Asur betarit trufa, umutar batsir ubamurias. Anoder mitarit trufa, asur batsir ubamurias. Bon, ça va être un peu dur à traduire toute cette Mishnah, mais je reprends le principe depuis le début du chapitre. Que, depuis maintenant deux chapitres en arrière, à savoir, un coup de colère, je me mets à prononcer un éder ou un serment, je vais jurer ou je vais faire le néder que je ne vais plus manger de telle chose. Qu'est-ce que tu impliques dans ça? Imaginez, j'ai eu un coup de colère avec les poissons, j'ai mangé du poisson qui avait un goût de vase, et j'ai dit, je mange plus de poisson, je jure que je mange plus de poisson. Oh, maintenant je vais partir chercher un yaourt, et dans le yaourt, je regarde dans la composition qu'il y a dedans de la gélatine de poisson. Et ça existe en plus, je suis sérieux. Parce qu'on va déjà soulever le problème pour les sparadimes qui ne mangent pas du poisson avec du lait, qui peuvent manger un yaourt, pareil, ou c'est... Bref, là n'est pas le sujet. Concrètement, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant, alors quoi, qu'est-ce que ça implique quand on dit « je mange plus rien de poisson ». Alors là, on va s'intéresser. On va avoir trois termes, plus ou moins, d'abord il faut bien comprendre. Quand on dit du poisson, le poisson c'est le poisson, avec la queue de poisson, avec les arêtes et tout ça. Ça c'est le poisson beau gosse. Maintenant, à part le poisson beau gosse, il y a le poisson qui est plus moche. En l'occurrence, le deuxième niveau maintenant, ça va être spécialement le thon. Alors apparemment, ils ne mangeaient pas des tranches de thon à la sauce marocaine, mais c'était plutôt, ils mangeaient du thon, ils en faisaient plutôt des pâtés de thon. Ouais, apparemment, c'était ce qu'on avait appelé dans la Mishnah, on va appeler ça tarit trufa. Tarit, ils nous traduisent, alors je ne l'ai plus retrouvé ici, mais enfin, heureusement que je l'ai fini par le retrouver quelque part dans le Melechet Shlomo, qui nous traduit ça par le tunina, le thon, en l'occurrence. Apparemment, ce n'était pas un poisson qu'on mangeait tel quel, mais c'est un poisson qu'on faisait que des pâtés avec, on l'utilisait, on était tarit troufa, quelque chose qui est tarouf, ça veut dire qui est battu, mélangé, qui a été broyé pour en faire une sauce à étaler, une pâte à étaler. Ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau des choses qu'on fait à base de poisson, c'est plus, je ne sais pas, ils extrayaient le tsir d'agim. C'était apparemment quand ils salaient le poisson. Alors, il faisait se couler une sorte de jus, à base de sang, finalement, du sang de poisson, et puis il utilisait ça en tant que pour manger, pour tremper toute sorte du pain dedans, ou c'était une sauce agréable. Ça, c'est au même niveau qu'il y a le tir et mourias. Mourias, c'est plutôt, cette fois-ci, c'est le gras du poisson. La gélatine aussi du poisson, je sais pas si vous avez déjà remarqué que la gélatine du poisson, en fait, quand on laisse le poisson entièrement dans une sauce, il va nous fabriquer une... Il va faire que dans la sauce, il va y avoir un chromère de la gélatine. Ça va se gélifier. D'accord? Concrètement, maintenant, c'est ce qui nous intéresse. Imaginez, vous avez. Bonne question, concrètement. Vous avez fait un éder qu'on veut manger plus de poisson, et puis on vous apporte du tarama. Vous avez le droit de le manger ou pas? C'est notre Mishnah qui va s'en occuper. La Mishnah nous dit d'abord si tu as dit dag dagim shayni toem, je goûte plus. Il a dit je goûte plus. Toujours quand on dit le je goûte plus, ça implique. Beaucoup plus large. Dag des games, je goûte plus de poisson. Alors, à Sourban, il n'a plus le droit de manger des poissons. Tout ce qui se présente sous forme de poisson, sous forme de tranche de poisson, avec une arête, et avec des arêtes, avec une. Ouais, du vrai poisson. À Sourban, qu'il s'agisse ben gdolim, ben ktanim, des grands poissons, des petits poissons, ben melouchim, du poisson salé, même du hareng salé, ou même toutes sortes de poissons salés, ou ben tefelin, même du poisson qui est sans sel. Chaïn, ben mouché, le même du poisson qu'on mange cru, du poisson qu'on mange cuit. Même à l'époque, ils mangeaient des poissons crus, apparemment, je ne sais pas, le sushi, ça devait exister à l'époque. Interdit de manger tout ça, parce que tout ça, ça s'appelle du poisson. Par contre, umotar betarit trufa, il a le droit de manger du tarit trufa. Alors, le tarit trufa, c'est ce qu'on a expliqué, c'est le thon tarouf, qu'on en a fait un pâté de thon. Apparemment, je suppose. C'est pas assez précisé, mais je suppose, parce que le thon, à l'époque, il ne devait pas être mangé en tranche, je suppose. Et dans ce cas-là, il n'a pas interdit l'espèce poisson. Quand on a dit les poissons, il n'a pas interdit tous les aliments à base de poisson. Il a plutôt interdit ce qu'on appelle
dans le, chez le commun des gens, du poisson. Or, si on a du pâté, on va dire, passe-moi le pâté, donne-moi une tranche de pâté. On va pas dire, donne-moi du thon. Ouais, on appelle plus ça du thon. Ça a changé de nom. Comme ça, je suppose, je vous ai dit, j'ai pas les moyens de bien comprendre comment était cette réalité de l'époque, c'est un peu compliqué. Concrètement, de nouveau, je pense qu'on peut quand même déduire que c'est quelqu'un qui s'interdit de manger du poisson, il a le droit de manger du tarama, par exemple. Cette fois-ci, c'est plus du poisson, c'est des œufs de poisson, c'est un nom complètement différent, personne n'appelle ça du poisson, quand on parle du poisson, tu veux, viens, on va manger on va passer la première, la mana, je sais pas comment c'est la mana, enfin, en hébreu, le premier service. On va te servir le poisson, on va pas dire, tiens, donne-moi ton, tu veux, je te donne du tarama. Deux minutes, t'as dit du poisson, t'as pas dit du tarama. Tarama, c'est une crème qu'on étale, et c'est autre chose, d'accord? Maintenant, ou moutar bedarit trufa, ou batir aussi, il a même aussi le droit de manger le tir, c'est le fameux jus de sang mélangé au sel qu'ils utilisaient en sauce. Maintenant, anoder mina tzachana, celui qui s'interdit la tzachana, alors la tzachana, ça implique le terme. La poissonnerie, si je peux dire, je ne sais pas exactement comment ça se traduit, j'ai cherché un peu sur internet, j'ai pas tellement trouvé. Un mot plus large qui implique que tout ce qui est les produits à base de poisson. Comme on pourrait dire le lait et les produits laitiers. Produits laitiers, on sait ce que c'est. Il y a les produits poissonniers. Alors là, dans ce cas-là, à son tarit trofa, il n'aura plus le droit de manger non plus la tarit trofa, le pâté de thon. Mais par contre, au moutard, batsir ou bamorias, il aura quand même le droit de manger le. Tire et le mourias, parce que cette fois-ci, c'est pas concrètement du poisson. C'est des sauces, c'est des jus qui coulent ou du gras qui va couler du poisson, mais c'est plus le poisson lui-même. Maintenant, s'il a dit anodar mitari trufa, je mange plus rien à base de poisson, en incluant même le pâté, il a dit le mitari trufa, cette fois-ci, ben, asur batir ou bamorias, c'est même interdit aussi le tir au mourias, parce que là, cette fois-ci, il a dit le terme qui englobe tout ce qui est à base de poisson sous n'importe quelle forme. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.